Alors, dis-moi ce que t'en penses. Ah, écoute, c'était pas mal de là-haut, il y a un bon point de vue. Hein. C'est un film d'aventure, mais c'est un film d'aventure qui se passe sur un bateau. Un bateau, il faut savoir le manier. Là, on vous a, trois skippers, trois navigateurs expérimentés. Moi, ça me permet de savoir exactement ce que je peux faire, être crédible, respecter la voile comme il se doit, puisque c'est notre support. Et en même temps, si tu veux, avec tout ce qui pourrait être ces complications, de jouer la comédie. Mais ça a un avantage formidable, c'est que tu peux pas trop te poser de questions sur la comédie parce qu'elle est liée à un problème technique. Je pense que tu fais ça, pilote, et tu rentres dans le bateau. Voilà. Ouais. Le pilote, il y était déjà, j'étais au bout du bateau. Alors, viens là, et comme ça, c'est t'aurais avec le speed. D'accord ? Ok. Allez, on va tourner ! C'est pas grave. En ce qui concerne Sami Seghir, il a un instinct extraordinaire. C'est un grand acteur d'instinct. Bon, bah là, ça marche avec moi, parce que moi aussi, je suis un acteur d'instinct, je ne suis pas du tout un acteur cérébral. Donc, expérience ou pas, si tu veux, si on a la vérité de l'instinct, les choses peuvent s'échanger en étant de grande qualité. Je l'ai vu le projeter dans la cabine du bateau et lui accélérer le mouvement pour se péter la gueule. Tout ça, c'est de la générosité. Et c'est comme ça qu'on fait les bons films. Alors, c'est sûr qu'un bateau qui est fait pour une personne seule, d'un seul coup investi par 18 personnes, il y a un gros problème de promiscuité. Et je pense qu'on n'aurait pas pu faire le film si Christophe Funstein n'avait pas réuni autour de lui des gens avec qui il est en pleine confiance. C'est grosso modo un tournage d'amis. Nous tous de l'équipe d'ailleurs, on se disait, c'est pas gagné. C'est pas gagné parce que d'abord on est 18, comme tu le dis, mais ensuite quand je les vois prendre des positions de caméra à plein vent, d'un seul coup, dans des situations de confort hyper précaires et dangereuses. Moi, j'ai aussi envie d'aller vite pour les libérer de cette situation-là. Mais je pense que c'est la confiance et l'affection qu'on a tous pour se mettre en scène qui fait qu'on s'est senti un bloc et qu'on s'est dit, il peut arriver un problème à une personne peut-être, mais ensemble, il n'arrivera rien à personne. Plus besoin d'eau chaude. Dans les orchestres symphoniques, dans les équipes comme ça, et même quand tu as le rôle principal, savoir qu'on a besoin de toi dans cette scène de 3 minutes, une seconde où tu tapes sur le triangle, et c'est tout.